rien. Le bruit vient de là-bas. Oui. Alors c'est toi qui faisais tout ce bruit. Oh non, cet ours polaire a le nez qui coule. Pauvre petit ours polaire. Je me demande bien comment on pourrait l'aider. J'ai trouvé! Il faut qu'il se mouche le nez! Oui, mais on n'a pas de mouchoir! Ah, si seulement nous avions un grand morceau de tissu! Un grand morceau de tissu? Comment on va faire? On n'a pas de grand morceau de tissu! Oh, Wouf! Bien sûr que si, on en a! Oh, quelle bonne idée, Wawa! Oh, Wouf! Ouf, ouf! Mouche-toi le nez! C'est mieux comme ça, ours polaire? Oui, j'ai moins envie d'éternuer maintenant. Ma maman me dit tous les jours de me moucher. Mais moi, quelquefois, j'oublie. Chugam. Je sais. La 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 la. La 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 la. La la la. Fini. Moi aussi. Regarde ce que j'ai dessiné. Est-ce qu'on peut deviner ce que c'est, Nini? C'est une fleur. Oui. Waouh! Et toi, Youpi, qu'est-ce que tu as dessiné? Une flaque d'eau. Oui. Plouf. Et le mien. Un ballon. À mon tour. Un arbre. Oui. C'est à moi, Wawa. Tu as dessiné une banane. Eh oui. C'est une très jolie banane. La plus belle banane au monde. Et toi, tu vas faire un dessin, Wawa? Oh, ouf! Nous t'avons apporté des ballons pour ton anniversaire, Tino. Hein? Mais enfin, les artistes n'ont que faire des anniversaires ou des ballons. Les ballons sont une entrave à mon magnifique art. On t'avait bien dit qu'il était grognon. Les ballons, c'est ridicule. Moi, je suis un artiste sérieux et respecté. Je n'ai pas étudié 4 ans à l'école de peinture Sorbet à Paris pour jouer avec des ballons. Ça, non. Oh. Pourquoi donc rapetissez-vous? Mais non, on ne rapetisse pas, Tino. C'est toi qui... T'envole. Ne lâche pas la corde, Tino. Ouf! Oh, merveille! Ce voyage est une splendeur! Quelle perspective originale que m'offre cette vue! Oh! Le vert verdoyant des collines, le jaune des champs! Formidable! Regardez! Ce feuillage luxuriant! La célébration totale de la vie! Est-ce que ça va, Tino? Mais bien sûr, tout artiste gagne à s'inspirer de la simplicité enviable de la nature. Hé, attends, qu'est-ce que tu traites de simplet? Attention, regarde l'oiseau, Tino.
Oh que oui, je le regarde. J'admire son plumage éclatant. Ah oui, éclatant. Oh, c'est assez amusant. Il va tomber. Vite, il faut qu'on l'aide. Mais comment? Plouf, plouf, plouf. J'ai fait un bain. Moi, j'ai fait un tunnel. Une fenêtre, c'est rigolo. Et moi, une porte. Et moi, j'ai fait des escaliers. On plie. On assemble. On peint. On empile. Coucou, Rouli. Coucou. Regarde ce qu'on a fait avec tes boîtes en carton. Un château. Waouh. Je vois ça. Et qui vit dans les châteaux? Les chevaliers. Voici venir les chevaliers les plus braves que le royaume de Wawa n'ait jamais connu. Sir Youpi le grand. Sir Nini l'aventureuse. Oui. Sir Betty la terrifiante. Sir Tag, le dur à cuire. Coucou. Et enfin, Sir Rolly, le carré. Allons jouer dans notre château. Oui. À qui est ce drapeau? Ça alors, regardez qui voilà. Oh, c'est vilaine souris. Qu'est-ce que vous pensez de notre château? Ce n'est pas votre château. C'est notre château. Vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer vos marionnettes? Oui, nous avons dit papier, rouleau de scotch, carton, paillettes, colle, peinture, gelée. Dans ce cas, vous m'avez tout l'air d'être prêt à faire des marionnettes. Vous êtes prêts pour votre spectacle de marionnettes? Oh, ouf! Tant mieux, nous aussi on est prêts. Pas vrai? Bienvenue à notre spectacle. Je l'ai intitulé. Nous l'avons intitulé. Ah oui, nous l'avons intitulé. Aventure avec un roi tigre. On espère que ça vous plaira. Ah, le pouvoir et la poésie du théâtre de marionnettes. Nous nous promenions dans les bois, n'est-ce pas, Wawa? Oh, wow. Lorsque nous avons entendu un bruit qui venait de derrière le buisson. Tout le monde a eu très peur. Moi, je n'ai pas eu peur. Si tu as eu peur, Tag, tu étais tout tremblotant, comme ça. Un tigre! C'était le roi tigre. Je l'ai deviné parce qu'il portait une couronne sur la tête. Voilà le dernier! C'est notre dernier morceau de papier cadeau, Rouli. Moi, je vais te l'enlever. Bonjour! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh.
cadeau, s'il te plaît? Papa pourrait agrandir notre cabane. Oh, wouf. Oh, Wawa va s'en charger, les petits loups. Après tout, il a son badge cabane dans l'arbre. Waouh! Allez, Wawa, c'est l'heure de sortir la caisse à outils. Wouf! Wouf! Plein de place! Plein! Oh, bonjour, vilain petit singe! Elle te plaît, notre cabane plus grande? Oh, le pauvre! Vilain petit singe n'a rien ici pour s'amuser. Wawa pourrait lui construire quelque chose! J'ai une idée, moi! Ouh! Wow. Tu peux ajouter une chose à notre cabane? Pour vilain petit singe! Sinon, je demande à mon papa. Wouf! Petit singe, nous t'avons fabriqué un jeu à grimper. Oh, pauvres moutons, il faut leur construire quelque chose à eux aussi. Je crois que ça serait amusant. Je pense à quelque chose dans cet esprit-là, élève. Hein? Ce serait idéal pour un éléphant des temps modernes. Laisse-moi présenter le projet à mon ingénieur structure. Wawa! Hein? Le mien est caoutchouteux. Le mien est rapide comme l'éclair. J'ai fait le mien en un claquement de doigts. Clac, clac, clac. Mon cerf-volant est tout doux. Eh ben le mien, il est tout gris. Allons les faire voler. Oui. À vos marques, les petits loups. C'est parti. Ils volent. Oh. Oui. Oh. Oui. Alors, les petits loups, vous êtes très doués pour diriger des cerfs-volants. Faisons-les voler plus haut. Oui. C'est incroyable. Je vois ma maison d'ici. Oh, faites attention à l'arbre. Ce n'est pas un arbre, Tag. C'est... Rosie. Bonjour, Rosie. Bonjour. Regarde-nous, on vole. Quelles sont ces choses? Rosie, on adore voler. Nous allons voler pour l'éternité. Moi, je suis caoutchouteux. Et moi, je fais clac, je suis gris. Disparaissez, affreuse créature.
On dirait que Rosie a un peu peur. Oui. On va essayer de la rassurer. Faisons-lui un cerf-volant. Mais Rosie est immense, vraiment très grande. Très bien. Alors on va lui fabriquer un très grand, très grand, très 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 grand cerf-volant. J'ai dessiné un plan. D'abord, il nous faut des... bâtons. Vois les choses en plus grand, Roulis. Ouf. Des bâtons très grands. Il nous faut du tissu. Vois les choses en grand. Un bout de tissu vraiment très grand, alors. Oh. Ah. En un mot, la tasse parfaite pour boire un bon... Coucou, c'est moi. Désolée. Ce n'est pas grave, Roulis, c'était un accident. Ouf. Comment Wawa va-t-il boire son thé maintenant? Ne vous inquiétez pas, je l'ai réparé. En quelque sorte. Peut-être qu'on pourrait lui fabriquer une nouvelle tasse. Oui, mais avec quoi? Ouf, ouf. Pas d'inquiétude, les petits loups. Wawa le sait, lui. Il a son badge poterie. C'est quoi la poterie? Ouf, 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 ouf. Exactement. C'est l'art de fabriquer des objets avec de l'argile. Ouh! On peut en faire de la poterie? Ouf! C'est quoi ça? C'est un tour de potier, Tag. Ouf, ouf. Avec lequel Wawa va tourner une tasse. Tourner? En effet, Roulis, tourner est le mot qu'utilisent les potiers pour décrire, eh bien, ce que Wawa s'apprête à faire. Ah! On peut essayer, Wawa? Ouf! Oui! La poterie, Wawa. Ouf, ouf, ouf. Voyez-vous, les petits loups, vous devez être délicats. La poterie est une forme de... d'art. Ouf, ouf, ouf. En effet, Wawa a appris l'art de la poterie avec Atsukimara, la célébrissime caniche potier. Ça existe, les caniches potiers? Ouf. Une pomme, une banane, mon ami Tag, Minette. Attention! Il y a un monstre derrière toi! Il va te manger, attention! Ouf, ouf, ouf. Pas de panique, les petits loups. Ce n'est que l'ombre de Minette. Ah bon? Son ombre? Tous les objets et tous les corps ont une ombre. Ouf! Quand ils interceptent la lumière. Waouh! On peut faire des choses incroyables avec les ombres. Wawa va vous montrer. Parce qu'il a son badge ombre. Ah, regardez. Il fait des ombres chinoises. Un oiseau! Bonjour, petit chien. Oh, trop mignon. Un canard. On peut essayer, nous, Wawa? Ah, tu as réparé la panne, Wawa. Oui! Bien, qui veut commencer? Moi! Un escargot. À mon tour. Un lapin. Cool, mon pote. Regarde, Wawa! Un serpent! Ouf! Je suis Elef! Bam, bam, bam! Pec, pec! Pec, pec!
un magnifique cygne. Ouh. Ils sont jolis tes nuages, Youpi. Je n'ai rien fait. Oh, ce sont les moutons. Vous voulez faire des ombres chinoises, vous aussi? Eh ben, on dirait que tout le monde a envie de faire des ombres chinoises. Oui. Et moi, je lui ai fabriqué un costume de danse. Mets-toi dans le gros wawa. Il est presque aussi élégant et sublime que toi, ma chérie. C'est vrai. Qui est le prochain créateur? Moi, voici ma création. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Oh, ouf. En effet, il reste une dernière tenue. Mais qui l'a fabriquée? Eh bien, Wawa, bien sûr. Hein? Wouf! Il a redessiné son grand classique. J'adore la nouvelle touche qu'il a apportée au bal. C'est tellement bien pensé. Les coutures sont fines. Quel sens du détail! C'est du beau travail, Wawa! Et beau travail à vous, les petits loups! Bien joué, les petits loups! Vous avez mérité votre badge mode! Oui! Ah, et voilà vos parents! Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin! On a lu notre badge mode. Oh. Au revoir tout le monde. On s'est bien amusé, n'est-ce pas, Wawa? Oh, Wawa. Les lézards sont verts. Rouli, tu es un petit peu... Dépassé. Je vais peindre cet orange en orange, sans dépasser. Mais il n'y a pas d'orange sur notre palette. Ne vous inquiétez pas, Wawa peut vous aider à faire de la peinture orange. Oh, ouf! Parce qu'il a son badge couleur. Oui! Oh, ouf, ouf, ouf! C'est exact, on peut fabriquer une couleur en mélangeant d'autres couleurs. Ouf, ouf. Par exemple, si on mélange du jaune avec du rouge, on obtient... de l'orange. Waouh. Il y a quoi ensuite? Des raisins. Il faut les peindre en violet. Est-ce que tu sais comment on fabrique du violet, Wawa? Ouf, ouf. En mélangeant... du rouge et du bleu. J'ai fait mon propre violet. Qu'est-ce qu'il y a sur la page suivante? De la gelée. Il faut la peindre en rose. D'accord, mais comment on fabrique du rose? Ouf! On prend du rouge et on ajoute un peu de blanc. Waouh! Page suivante. C'est un vert. Alors, je vais le remplir d'un bon jus de myrtille bleu. Oh, mais mon bleu est trop clair. Oh, ouf! Pas de problème, Youpi. Il suffit d'ajouter du noir qui rendra ton bleu plus foncé. Ah, oui. Délicieux. C'est quoi ensuite? Une sucette. On mélange du rouge avec du bleu. Un peu de blanc. Et du noir. Ah, voyez-vous sa couleur lavande. Couleur lavande? Oui, Tag. Les couleurs ont toutes sortes de noms différents. Les sucettes couleur lavande sont mes sucettes préférées. Payons-le. Et si on inventait nos propres couleurs? Oui. Mélangeons du bleu,
du blanc et du vert. On va appeler cette couleur Bleu Lémo. C'est un très joli nom. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wagalin. Oh. Wagalin.